بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour ceux qui viennent accepter ce changement pour Azodila, malgré qu'il est possible de s'allier là, Azodina, dans les autres occupations, mais seulement comme on finit dire, étant donné qu'il demain m'hésite pour être pris, nous finissons bouge, nous laissons, mais sinon, Inch'Allah, pour l'autre semaine, nous continuons de nous vendredi. Chers frères et sœurs, vendredi passé, nous t'arrêtons le hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, Hadja Moussa. Moussa alayhi salam pour amener comme argument avec qui ça n'a? Avec Adam alayhi salam. Ce hadith qui trouve dans Sahih Muslim qui nous prend la dernière fois, c'est qui hadith? C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Moussa alayhi salam pour argument avec Adam alayhi salam et l'Ibn Djali, c'est toi qui finis faire bandimoun sorti depuis Djanna pour te faute. Adam alayhi salam dit oh Moussa, c'est toi qui Allah finit choisir pour ce message et ce parole. Tu peux blâmer moi pour quelque chose qui Allah finit écrire le moi avant même qu'il écrit moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et Adam alayhi salam il a la raison. Depuis ce hadith, comme on étudiait la dernière fois, chers frères et sœurs, Adam alayhi salam finit servi, qu'est-ce qu'il dit? Ça qui Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire le moi avant même qu'il écrit moi. Veut dire qu'il servi? Destin. Comment nous dire, un dimoun capable de prendre ce hadith, il amène comme preuve pour lui dire, ben, nous capables de servir ça quand nous faisons péché. Mais non, au fait, quand nous regardons ce hadith, nous vous trouvons que Moussa alayhi salam peut causer l'effet désobéissance à Adam alayhi salam. Qui l'effet ça ne fait? Chers frères et sœurs, nous reprenons ce hadith, Adam alayhi salam de Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pas coster avec sa pied là. C'est tout là. Il ne donne ni une interdiction. Adam alayhi salam costé avec sa pied là. L'intome d'une désobéissance, oui non? Sa désobéissance là, qui l'a fait pour Ina? Il pas connu lui. Il pas connu lui. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dit à lui, oh Adam, si tu costé avec sa pied là, comme on dit, toi pas costé, moi fais toi l'eau la terre. Est-ce qu'il a l'un dit ça? Allah pas dit ça. Adam alayhi salam est en fin de coster avec pied là. Est-ce qu'il demande pardon? Oui. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Adam alayhi salam fin gagne bonne parole qui pour demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon et Allah fin pardonne. Fataba alayhi. Allah pardonne. Ensuite Allah dit qulna ihbitu minha jami'a. Qulna et Allah subhanahu wa ta'ala dit ihbitu. Habata veut dire descend. Quand il finit de descendre la terre, après avoir qu'il finit de coster au pied, après avoir qu'il finit de gagner, pardon Allah. À ce moment-là, qui Adam alayhi salam descend l'eau la terre. Il n'est pas t'y connaît, chers frères. Moussa alayhi salam peut dire ça, l'eau l'effet péché là. Et non pas l'eau désobéissance là. Comment nous dire, semaine passée, quand est-ce qu'un dimoun n'est capable, quand un quelqu'un peut blâmer pour un erreur qu'il fait dans le passé? Comment nous amène l'exemple, un kikan qui boit, il consomme l'alcool, il bien boit pendant 20 ans, 30 ans, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre la guidance sur lesquels il est censé, ou trouve-le dans ma zid,
Ou dit comme ça, peut-être que tu peux bien taper longtemps là. Il dit tout, il dit, oui, moi, ça. Si on devenait assez moins sensé, moins repenti, tu veux dire, moi, quelque chose là. Moi, je finis sensé à se dire. Moi, je finis de m'en aller, pardon. Et moi, je prouve toi. Mais je n'ai pas dit, moi, là. Moi, je donne mon prêtre qui m'en sensé. Parce que moi, la vie n'est plus pareil. Tu peux blâmer le quelque chose qui a là, fin écrire. Là, à ce moment-là, il est capable de servir ça. Parce que l'infini sans zé, oui non. L'infini sans zé. Mais seulement l'effet péché là côté à se dire. Péché là, l'infini repentir, oui non. Vous connaissez l'effet péché là côté? Dis-le comme ça, mais les fois qui n'arrivent. Et vous avez qui vous faire? Vous acceptez nous? Alain décide comme ça. Là, c'est nous accepter. Parce que quand il boit, ça n'affecte sur les fois, oui non. Là, il accepte ça qui Alain fait l'eau sur péché, oui non. Donc, chers frères, get l'effet un péché, c'est quoi? Ensuite, get un péché, c'est quoi? Péché, c'est un l'effet péché. Quand nous peut dire l'effet péché ou bien conséquence péché, c'est un autre chose. Un autre exemple, une personne coquin. L'in coquin. Prends l'in coquin, il y a un témoin d'un état islamique, l'in coquin qui sort de valeur. Dieu dit coupe solamé. Coupe solamé, oui non. Coupe solamé. L'état fini, coupe solamé. Alain pas donné pour sa action là, oui non. Alain pas donné pour sa action là. Parce qu'il n'a accepté solamé. Solamé, allez là. Mais seulement le temps nous guette, nous racontons blâme, pas un petit coquin là. Mais mon pas fini payer ses conséquences. Mais seulement l'effet là qu'on aime, oui non. Ils vivent ce calimo avec un seul lamé. Donc, chers frères, ça qui nous faire bien attention, c'est quoi? C'est faire différence entre un péché avec l'effet péché là. Donc, ce hadith qui montre nous que Moussa alayhi salam peut cause avec Adam alayhi salam, à aucun moment il ne peut blâmer Adam alayhi salam, l'action qu'il finit de faire, excepté qu'il peut faire l'icône concernant l'effet. Ça, interdiction qui est en fait là, get l'effet là qui est arrivé, nous descendons l'eau la terre, à aucun moment ce hadith, chers frères et sœurs, il ne peut pas faire un prêt pour personne, pour lui prouver qu'il désobéit à Allah, ensuite il dit Allah, tu es créé pour me désobéir à lui. Fausse. Oh donc, si nous reprenons quand nous étions là, nous dire, N, nous disons que nous avons un pilier de destin. Il y a quatre piliers. Nous qui là, alhamdoulilah, nous connaissons le destin, il y a quatre piliers, nous connaissons quatre piliers. Connaissance Allah. Al-Kitaba, ça qui nous appelle l'Ohil Mahfouz. Al-Mashi'a, ça qui est Allah oulé. Al-Khalq, la création. Ensuite, ça qui nous connaît, c'est étape du décret. N, ça qui Allah finit écrire avant de faire toute la création. Ça qui nous appelle l'Ohil Mahfouz. Deuxième, quand nous devons nous maman le 120e jour. Troisième, c'est l'Aylatul Qadr. Trois étapes. Ensuite, ça qui nous connaît, c'est est-ce qu'il nous a un choix de nous faire une action parole? Imagine ça qui nous fait la semaine passée. Chers frères, est-ce qu'il nous a un choix? D'accord, nous a un choix. Alhamdulillah, la semaine passée, nous sommes là. Nous disons bien, capable la semaine passée, tu es un petit peu trop léger. Mais seulement, c'est là même qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de bouger dans le sens qui nous a fait un choix. Nous tous d'accord pour voir l'exemple vécu. Nous avons un choix de toutes nos actions. De toutes nos paroles, nous avons un choix. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui, nous venons demain. Je vais demain quand on rentre pour Nanika. Nous choisissons ça. Donc, de toutes nos choses, nous avons le choix. Et pareil, comme ça même, est-ce qu'il nous besoin de faire des efforts pour nous atteindre une petite chose? Sans aucun doute, chers frères et sœurs, nous besoin de faire des efforts. Et ensuite, est-ce qu'il est capable de servir des destin ou désobéissance? Impossible, point de Jimoun, servir destin ou désobéissance. Qui fait? Parce qu'il le fait qu'il y tient le choix. Il n'y a pas qu'à dire, il servit destin ou désobéissance. Le fait qu'il y tient, le choix. Et en dernier, quand capable de servir destin, c'est ban quelque chose qui en déhaut nos capacités. Nous ne choisissons pour prendre naissance dans Maurice, nous? C'est ça qui décide ça. Nous capables, là, nous, qui me dit? Allah qui décide ça pour prendre naissance là? Mon malade. Mon envie malade. Mais c'est mon envie malade. Mais seulement, dans d'autres mots, quand est-ce qu'il y a un monde capable de servir destin, c'est une petite chose qui, chef, ne pas trouve dans nous, pas trouve dans nos capacités, nous payons un choix. Ça, c'est notre tasse. Oh, ça qui nous fait la semaine passée, chef, frère, à partir de ce temps-là, oubliez tout pour un moment, concentrez dans nos leçons. Bismillah. Al-Irada al-Rabbaniya. Oubliez le mot en arabe. Mais seulement nous prenons en arabe pour ban qui alhamdulillah nous peut faire arabe au moins nous gagne un petit profit plus. Al irada al rabbaniya. Al irada. Les dérivés du mot arada yuridu. Arada yuridu veut dire vouloir.
Ule and kichos. Ma ule, ana urid. Aroda yuridu veut dire ule. Al iroda dérivé de sa verbe là. Aroda yuridu, qui veut dire ule, vouloir. Arrobania, c'est simple, les dérivés du mot rob. Rob. Rob, c'est qui ça n'a? C'est Allah. C'est Allah. Donc, l'État nous regarde ce mot-là. Al-Iroda al-Rabbaniya. Qui veut dire ça? En d'autres mots, ça qui est avec nous, aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est ça qui nous dit, ça qui nous apprend, ça qui nous connaît, Allah oulé. C'est ça. C'est ça qui veut dire Al-Iroda al-Rabbaniya. Ça qui Allah oulé. Nous vous êtes décrié, l'Iastir. Nous besoin nous qui là, nous qui peut prendre concernant un sujet pareil, nous pas pour capable comprendre un sujet pareil si nous pas ne comprend. Mais au fait que vous pouvez dire Allah ou là, qui vous peut dire pour ça? Ça qui nous besoin connaître chers frères et sœurs, c'est quoi al irada al rabbaniya? Al irada, arada yuridu, al rabbaniya, le dérivé du mot rab veut dire qui veut dire Allah ou là? Décrire ça écoute. Allah ou là, chers frères et sœurs, les vins de sa façon. Premier, nous gagnons Al-Iroda Al-Kawmiya. Al-Iroda nous fait faire. Aroda Yuridu veut dire oulé. Al-Kawmiya. Kawm, Al-Kawm, il veut dire la création. Il veut dire la création. Al-Kawm. Si nous posons une question, un autre mot pour Kawm, Al-Khalq. Si nous posons une question, c'est quoi la création? Tout apporte Allah. C'est tout. Tout apporte Allah, c'est quoi, cher frère? Pas dire moi ange, pas dire moi prophète, pas dire moi insan, pas dire moi animaux, ou demain, allez, c'est une fois là. Non. Apporte Allah tout ça qui restait, de tout créature, Allah. Pénache au tiers de là. Oh donc, premier, ça qui nous gagne, c'est quoi? Al-Iroda al-Kawniya. Ça qui, Allah, où l'est dans la création. Ça, c'est premier. Donc, qui, sixième nous peut prendre, qui chapitre nous peut prendre là? Nous peut prendre concernant quand on peut dire Allah ou l'est. Qui m'a besoin de comprendre moi quand Allah ou l'est? M'a besoin de comprendre qu'Allah est un vouloir. L'oulé est quelque chose. Première partie, c'est qu'il dit l'oulé est quelque chose concernant sa création. Deuxième, Al-Irada al-Shar'iyya. Ça qui Allah ou l'est concernant, Shar'iyya concernant son dîn. C'est ça de là. Je comprends ça de là, chers frères et sœurs. Je comprends ça de là complètement. Par l'eau d'Allah, je comprends ça de là. Je comprends ça de là complètement. Parce que qui fait? Je comprends qui fait Allah qui fait tout ça. Là. Attention, nous disons bien. Allah subhanahu wa ta'ala peine pour nous compte. Qui fait qui fait ça? Ça met bien dans nous la tête. Allah peine pour nous compte. Mais seulement sa robe là, il fait aller d'une façon pour ban qui na iman, je plique en cette robe. Et quand on plique en Allah, on peut plus rapprocher avec lui, c'est ça même qui nous appelle son iman augmenté. Quand nous peut dire al-irada, nous peut cause vouloir. Qui s'en a son vouloir nous peut causer là? Ministre, président, les rois, qui s'en a son vouloir nous peut causer là? Al-rabbaniya, les robes. Sa robe là, combien vouloir y en a? Y en a des. Qui a été vouloir en concernant toute la création, en concernant vouloir ça, ce digne. Puis la troisième chef. Donc, comme on prend ça de là, à travers ben, l'exemple, je vous comprends, Inch'Allah, quand nous détaillons à travers ben, l'ayat Qur'an. Chef frère, sœur, nous prenons premier là. Al-Irad al-Kawniya. Quand nous disons, vous veut dire, vous besoin pas trop qu'un arabe, arabe. À chaque fois que nous disons, si Allah subhanahu wa ta'ala fin choisit le langage arabe pour descendre le Coran, connaissez un langage plus facile qu'il n'a l'eau la terre. Oui, moi, j'ai un manquement, j'ai une faiblesse, je n'ai pas de récit à prendre ce langage-là. Donc, nous continuons cette site-là en arabe afin qu'Inch'Allah vous capte li, et ça, Inch'Allah, qu'il pousse ou pour le redire un petit guide concernant ça, ce langage-là. Al-Irada al-Kawniya. Nous redire, Al-Irada, vouloir. Qui s'en a ce vouloir? Allah. Al-Kawniya veut dire Allah se vouloir concernant tout ce bon création. Ça, au fait, est pour toute créature, tout sans exception. Il est capable d'être non-musulman, il est capable d'être musulman, il est capable d'être obéissant, il est capable d'être désobéissant, il épouse tout. À partir de là, essayez d'imaginer un non-musulman.
Ce travail que ça n'a qu'une fait gagner. Ceux enfants ils passent l'examen. Ils gagnent casse, ils gagnent la santé. Qui ça n'a une ou les gagnent tout ça là? Allah, papier où? Ou vous êtes dire ça avec une certitude. Même les non-musulmans, Allah fin ou les ça pour lui oui non? Qui fait Allah fin ou les ça pour lui? La cause ils font partie de créatures, Allah oui non? La cause ils font partie de créatures. Allah pas pour priver lui. Allah pas créé lui, ensuite t'as pas obéi à moi, mais mon beau prive t'as l'oxygène. Mais tout qu'a fait tu vous mords. Non, ça pas principal là ça. Parce qu'Allah dans ce vouloir, il y en a un vouloir qui tout ce créature pour gagner ça. Tout, sans exception. Dernier pour ça, qui peut mourir grand matin, tantôt dans le shirk. Qui s'en peut donner ça l'oxygène pour y vivre? Allah. Qui s'en a qui ou les donner ça? Allah. Mais Allah ou les donner l'oxygène pour t'en aller dans le shirk? Parce qu'ils font partie de ça vouloir là, oui non. Le fait qu'il y ait une créature, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner ça qui? Ça qui est bizarre. Ça c'est le premier chef. Nous guettons comment? Nous guettons quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous. Dans surah Ar-Ra'd, ayat 11, lahu muraqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Muraqibat veut dire ban protecteur, c'est ban ansa. Devant à l'arrière pour protéger un djimoun. Ensuite, c'est ici qui concerne nous dans cette ayat là. Qu'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit wa idha arada. Qu'est le mot vini là? Arada yuridu. Arada yuridu veut dire oulé. Wa idha arada Allahu biqawmin su'an. Quand Allah voulait un duto pour une personne, pour un peuple, qui est-ce qu'il a empêché? Est-ce qu'Allah finit de dire duto, juste pour non-musulmans? Est-ce qu'il finit de dire ça duto là, juste pour ban kafir, pour ban hypocrite? Il finit de dire pour un djimoun. Veut dire djimoun là, il n'est pas un croyant, oui non. Si Allah voulait demain, plus grand imam qui est tombe malade. Quelqu'un qui a fait quelque chose? Pourquoi pas? Ça. Veut dire quand Allah voulait une quelque chose concernant la création, chers frères et sœurs, qui est capable d'empêcher? Pas capable d'empêcher. Ça, c'est le premier là. Get qui Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans surah 6, surah Al-An'am. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam, wa man yurid an yudillahu yajral sadrahu dayiqan harajan, ka annama yasa'adu fissama. Celui qui Allah ou les guide lui, Allah subhanahu wa ta'ala ouvert son estomac vers l'islam. Celui qui Allah subhanahu wa ta'ala ou les égale, Allah subhanahu wa ta'ala serre son estomac, comment dire, il peut monter vers l'échelle. Regarde ça ayat là bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui yurid, arada yuridu, verbe la revini. Celui qui Allah ou les guide lui, Allah subhanahu wa ta'ala ouvert son estomac vers l'islam. Est-ce qu'il allait préciser qui ça n'a ça? Non. Vous connaissez qui fait un média qui fait Allah préciser qui ça n'a? Parce qu'un jour, ou capable d'avoir un collègue, un non-musulman, il vient avec vous et dit comment? Et il y a des questions pour ça, l'autre religion. Qui fait? Deux, mon lien lié un peu. Je trouve, mais seulement, je besoin d'un quelques éclaircissements. Une semaine, deux semaines, trois semaines, où éclaircir? Est-ce qu'un jour, il vient avec vous et dit comment? Mais si mon vie, il y a un musulman qui m'a besoin de faire. Qui vous dit là? Qui s'en a fini où les ligues sa guidance là? Allah. Pourtant, qui les tient? Un non-musulman. Les tiennent? Les tiennent non-musulman. Allah fin où les ça oui non? Laquelle où les ça? Parce qu'ils font partie de sa création. Pareil comme ça même. Les capables viennent prendre naissance dans la case musulman. Mais seulement, ils amènent une vie namaz, ils amènent une chose. Et Ramadan rentre, ils commencent à écouter des causeries, ils commencent à faire namaz. Après namaz, ils viennent avec vous, ils disent comme ça. Et ils décident pour s'en zester. Oui. Je vous accompagne, toi, te rappelle-moi, te dis, quand je vais prendre des sons, je fais des efforts, c'est Inch'Allah. Ça dit, moi, tu es un musulman, oui, non. Mais seulement, il peut gagner la guidance, oui, non. Que ça n'a fini où les ça, là? C'est Allah. Les contre-ci, vrai chef, oui. Les contre-ci. Il est capable de prendre naissance dans la case d'un musulman. Il est capable d'être un azan. Il est capable d'aller le mois Ramadan. Mais seulement, ça n'a pas fait aucun effet? Aucun effet, là, lit. Ça n'a pas fait aucun effet, là, lit. Est-ce qu'Allah fait une cause concernant l'égarement des non-musulmans? Ou bien il est possible que celui qui est immense à l'égarer? Il est possible. Donc, l'état nous guetter, ça le mot, où il est là? Il y a tas sans musulmans, ça ou bien avec non-musulmans tout? Il y a tas dans la création complètement, oui non? Ça, c'est le premier qui est dans le chef.
premier vouloir qui est né pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est concernant sa créature complètement. Concernant sa créature complètement, qui nous peut dire par ça? Par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala voulait un du tout point qui ken. Ou bien, comment il peut dire nous de sa ayat là, de surah 6, ayat 125, quand il peut cause concernant la guidance, il dit que Allah voulait guide un qui ken. Pas nécessaire musulman ça. Il est capable, un non-musulman, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'ivine. Vin de ben plus bon croyant qui est là. Donc, l'état nous guette ça, nous trouvons que oui, oh Allah, tu as un vouloir. Premier, ça qui est là de te vouloir, c'est quoi? C'est qui? Un vouloir qui attache avec la création complètement. Avec tout. Même un non-musulman. Si tu as oublié ça pour lui, personne n'a pas fait non. Deuxième vouloir qui Allah subhanahu wa ta'ala est là, chers frères et sœurs, c'est al-irada al-shar'iyya. Al-shar'iyya veut dire din. Nous din, la loi din. Ça, c'est quoi ça? C'est lui contenir l'amour et la satisfaction Allah. Ça, c'est deuxième vouloir qui Allah est. Ça, c'est deuxième. Premier là, il attache avec tout, oui, non. Mais deuxième là, c'est quoi? Deuxième là, il attache, il est là-dedans. Allah content ça. Allah satisfait avec ça. La cause, ça, il oule ça qui chose là. Allah content lui. Allah satisfait avec lui. Donc la cause ça, l'y fait ça qui chose là. Chers frères, il fait une deuxième qualité. Il fait une deuxième qualité. Pour nous plus comprendre, nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans surat al-Baqarah, ayat 185. Commencement, c'est concernant le mois de Ramadan. Ensuite, get à la fin qu'Allah dit. Yuridu, arada yuridu, moula revina nous ou non. Yuridu Allahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah ou l'épouse, facilité. Il n'y a pas ou les difficultés. Ou Allah, mais quand on peut dire ça là? Vous connaissez quand il peut dire ça? Quand il peut cause concernant Rosa Ramadan, et il dit Waman kana maridan aw ala safarin faridatu min ayamin ukhra. Quand un enskiken qui est en voyage, ou bien il est malade, qu'il y retourne sur Rosa pour après. Rosa, déjà, il va adapter, oui non? Allah ou l'a une facilité pour ça, dit Mouna. Donc, avec un contentement, sa robe là qui dit, tu es malade, God dit après, pas forcer toi. Et il y a l'amour là-dedans, oui non? Il y a l'amour là-dedans, chers frères. Pourtant, il ne servit même mot, oui non? Il ne servit même mot. Ça pour un kafir, ça? Ça pour une désobéissance, ça, lui, Rosem, lui, avec God, lui. Quand on dit qu'ici, il y a l'amour, Allah subhanahu wa ta'ala peut cause le mois Ramadan, il peut cause le Coran, il peut cause le. Quand on trouve le mois qui te garde Rosa. Ensuite, il dit, c'est lui qui est malade. C'est lui qui est en voyage, qui lui retourne lui. Il y a l'amour là-dedans, oui, nos chers frères. Ça, c'est le deuxième vouloir qui Allah a. Est-ce qu'il est pareil que mon premier là? Il n'est pas pareil que mon premier là. Premier là, il attache avec toute bonne créature. Mais deuxième là, il contient des choses bien importantes. Il y a l'amour et satisfaction, Allah. Chers frères et sœurs, nous guettons sur Nisa. Ayat 27, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu yurid. Le bon arada yuridu al-irada an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Mais ça qui est avec nous c'est coupli là. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah voulait accepter votre repentir, votre tauba. Qu'est-ce qu'il avait dit nous? Allah voulait accepter. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Il voulait accepter sa tauba qui nous peut faire là. Allah ou les oui non. Mais seulement quand il peut accepter ça. Chef frère, il peut accepter pardon. Qui s'en a? Un qui fait beaucoup de sida? Il peut accepter pardon. Qui s'en a? Un qui garde Rosa, c'est pas comme Jésus? Il peut accepter pardon. Un celui qui désobéit à Allah. Allah dit comme ça. Je peux en vie, je peux atteindre, je peux ou accepter tout. Tout au bas. Allah ou les oui non. Li oulé. Mais seulement ça oulé là. Li pareil que moi premier là ça. Ou bien ça n'a l'amour et une satisfaction là-dedans. C'est une deuxième qualité, ça, chef. Un non-musulman qui a gagné ça, li. Un non-musulman qui a gagné ça. Un musulman qui désobéissant. Li là-dedans là. Il n'y a pas répondu à même lui. Donc l'étant nous guette deuxième irada. Deuxième vouloir qui Allah est là. Il y en a qui condition là-dedans? Allah. Allah content quand il peut donner ça. Il peut faire ça arriver. Allah satisfait quand il peut faire ça, quand il peut faire ça arriver. Chers frères, pareil comme ça même quand nous guettons sur Al-Ma'ida,
Ayat numéro 6, Allah subhanahu wa ta'ala dit bi wujuhikum wa aydikum minhu, ça fait cause concernant Wazou, sa boutla qui est avec nous, ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj. C'est sa boutla qui est avec nous. Ma yuridu Allah, Allah pas oulé liyaj'ala 'alaykum min haraj. Allah pas oulé mettre aucune difficulté aux yeux. Allah pas oulé mettre aucune difficulté aux yeux. Et na irada la wino, yuridu. Allah oulé wino. Qui li oulé? Li oulé pas mettre difficulté le ou nous. Mais quand est-ce qu'un qui ken dit, ah yo ça pour difficile le ou toi? Allez, deux mots prends-li. Un qui ken qui pas content nous ça? Un qui ken qui pas satisfait nous? Ou bien qui ken qui content nous qui pas mettre difficulté le ou nous? Ou bien un qui ken qui ne satisfait avec nous qui pas mettre difficulté le ou nous? Donc c'est un vouloir là. Est-ce qu'il est pareil comme un premier là? Non, cher frère, ce n'est pas pareil. Deuxième vouloir qui Allah subhanahu wa ta'ala est là, ça qui nous appelle al-irada al-shar'iyya, vouloir de ce dîme, c'est ça qui attache avec ce l'amour, avec ce satisfaction. Chers frères, ça vous éclaire dans mon tête à ce dire. Allah subhanahu wa ta'ala est un vouloir. Vous voulez, nous ne prenons ça. Mais seulement les divise en deux. Et na un qui les fait lire pour toute la création. Et na question n'est pas content là-dedans. Mais seulement les voulez. Deuxième, ça qui attache avec ce l'amour, avec ce satisfaction. À partir de là, pour une trois questions clés pour venir, pour nous terminer pour aujourd'hui. Pas que les, hein? Parce que les prenons au collègue. Trois questions là, c'est pas. Tiens, ne te réponds comme ça. Non, on y va comme ça là. Première question qui vous venez, chers frères et sœurs. Kaifa yuridu Allahu amran wa la yuhibbu. Qui veut dire ça? Comment Allah oulait une petite chose qui n'est pas content? Oui. Est-ce qu'Allah content sa poussari qui est dans le shirk là? Allah content lui? Mais seulement Allah peut oulait donner seulement une petite chose, oui non? Voilà bien, c'est que tu aurais donné, il sautait lui. Il sautait. Donc, un qui est capable, Shaitan vient faire waswasa avec lui, dire lui comme ça, mais tu vas trouver si Allah tu voulais. Parce que tu peux donner ça. Mais qui fait que tu donnes ça? Et là, nous faudrait, pour l'eau d'Allah, nous comprenons, Allah subhanahu wa ta'ala a un vouloir. De ce vouloir, il y a un qui appelle Kaouniya, toute cette création, et il y a un qui appelle Shalriya concernant ce dîme. Dans le premier là, et dans le deuxième là, il y a une différence. Chers frères et sœurs, quand cette question là vient, comment Allah oulait? Et nous disons, mais comment Allah oulait une question qui n'est pas content? Nous donnons un exemple. Nous disons comme ça, l'eau la terre vient à l'exemple. Nous amène de l'exemple avec lui. Puis qui est là où je veux? De l'exemple simple. Qui peut dire pas piquer là où je veux? Nous prenons premier. Un dimoun, il peut piquer. Un dimoun, hein? Il peut piquer. La fièvre 40 le lit. L'inaffaibli. Puis qui est là devant lui? Il peut oui non? Il peut. Mais seulement pendant 10 jours, il peut souffrir avec ça la fièvre là. Dis-lui comme ça. Mon garçon, Betty, comprend. Par l'eau d'Allah, c'est ça qui est là qui est capable de faire la fièvre. Là. Les mots de l'oeil, les pises, les gels, les autres. Allez, mettez. Il a envie de mettre piquer là seulement lui? Il n'est pas content, lui. Il n'est pas content de piquer? Il n'est pas content. Mais seulement lui, pour bien laisser arriver, oui non? Qui fait? Parce qu'il plie devant et dans l'autre du bien, oui non? Plie devant et dans l'autre du bien. Get insane! Insan, il fait quelque chose, même il n'est pas content. Parce qu'il plie devant et il a du bien pour lui, oui non? Plie devant et il a du bien pour lui. Ça, insan comme ça. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala peut faire quelque chose qu'il n'est pas content, il y a quelque chose de drôle là-dedans? Non, il y a drôle là-dedans. Nous prenons déjà l'exemple, la rougeole. C'est moi la rougeole, là, nous ne prenons pas pour tout du monde. Hein? Nous prenons lui pour sa bêtise qui, dans le matin, quand il sautit, pas pour chose là, il vient mettre ce décocom, le soligier, ce que moi, sur la crème. Bien prendre sur la peau contre, faut des oubêtés. Un petit fils comme Hagen la rougeole. Connais quand tu as ça fait là. Ben grandi, mon qui là, je ne peux plus comprendre ça. Dis-lui, pour ça la rougeole là, aller par l'eau d'Allah, et un petit qui appelle Montekvas. Tu ne faisais pas ça l'autre. Et ben qui connaît Montekvas, qui gagne au lit? Elle le dit. Sa bande trace là, tu bizarre pas se monter que vas pour ça aller. Et bien, il y a un service, c'est bon aller. Puis là, monter que vas dans le livre, c'est bon.
qu'il faut faire? Il faut accepter pas sa mentée que va cela, oui non? Il faut accepter, chef. Il faut bien respirer ça, oui non? Faut... Mais qui fait? Tu n'as pas sa mentée que va cela, toi? Oui, une fois ça allait. Une fois ça allait. Ça va être ça. Une fois y aller, pas faire que je pas se mentir. Ah, mais là, comment tu peux accepter faire une petite chose qui ne te pas? Qui ne te pas content? Mais comment se fait-il te poser cette question-là, loi la los? Si toi, insan, tu fais quelque chose qui même t'es pas content. Parce qu'il plie divin, tu peux viser une autre quelque chose, toi. Mais, walillah, il matalul arla. Et pour Allah, plus grand l'exemple, cher frère. Donc, quand nous peut trouver, Allah peut faire une petite chose arriver. Nous pose question, mais comment Allah a fait ça? Et pourtant, il n'est pas content qu'à faire. Vraiment, il n'est pas content qu'à faire. Mais seulement, il peut les autres faire ça. Pour viser une autre question plie devant, oui non? Vous avez une question plus devant, cher frère. Donc, c'est Allah même qui veut faire ben arriver, oui non? C'est Allah même qui veut faire ben arriver. Ça ne vous a pas douté, amis, hein? Ça ne vous a pas douté. Donc, je nous dis, non, ben, n'a de quoi Allah qui peut rouler, les autres faire avec toi. Mais Allah même qui peut rouler ça. Pena non, qui passe l'eau sur la terre, là, qui Allah pas rouler. L'homme qui nous l'est tout. Pena non, qui est l'eau sur la terre, là, cher frère, sœur, qui Allah pan rouler. Ça, les bisins clair, 101% dans nos convictions. Exister, en la graine moutarde, une vigne l'eau sur la terre là, qui a la panoule l'une vigne. Exister ça. Tout quelque chose qui peut arriver, il faut aller nous oui non. Mais seulement, il y a la dent qui l'une oule, mais seulement, il n'est pas content. L'exemple, comment on prend l'eau, nous, une sainte, mais toi, oh Allah, toi le créateur, tu pourrais appeler beaucoup de raisons pour te faire ça, toi. Tu pourrais appeler beaucoup de raisons pour te faire ça. Oh donc, chers frères et sœurs, sa question là, c'est est-ce que nous trouvons un sens? Qui fait Allah faire quelque chose qui n'est pas content, mais nous avons trouvé une naissance à l'os. Si toi, insan, tu peux accepter faire quelque chose qui n'est pas content, juste pour plier devant, tu gagnes du bien. Comme les enfants pas contents à l'école. Évidemment, je me demande qui en a qui est content, allez, m'ouvrir petit guide. Mais seulement, devant, quand il n'y a pas peur d'aller, qui vous dit à lui? Mais comment demain, pour le temps, tu gagnes travail? Mais comment? Il y a aller, qui vous fait? Il vous dit aller, oui, non. Mais c'est mal, tu es content pour aller? Comme ça, combien d'exemples nous-mêmes nous avons donné, chers frères? Nous faire comme une chose qui nous pas content. Juste pour nous atteindre un autre objectif, plus devant. Donc, comment nous finir dire, l'exemple qui est avec nous, c'est ça. Mais sinon, comment nous dire, chacun parmi nous capable, prends ban l'exemple. Ça, c'est une question. Sa question-là, comment nous dire, quand nous ne comprenons pas l'ordre d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des qualités vouloir. Il a un qui les finit dans le monde entier, toute la création. Et ça, il y a une question là-dedans, il n'est pas content. Mais c'est mal, il fait y arriver, nous ne pouvons pas poser question parce qu'il y en a son raison. Et deuxième vouloir qu'il y en a, c'est une question qui est content et qui a sa satisfaction. Deuxième question qui vient, chers frères et sœurs, ça. Khalq Iblis, wal hikma. Création Iblis et la sagesse. Qui sagesse qui y en a derrière là? Connais pas ce qui, si Paulo dans la monde comprend une de bonnes raisons de création Iblis, chers frères et sœurs, la source, le mal, ça lime la source. Si on comprend la source, mais tout ça qui descend, qui est dit, c'est depuis la source. Qui fait appeler la source? Quand dans la vieillesse, nous neveux, nos enfants, peuvent faire ça. Comment ils gagnent une map devant lui, ils gagnent un spam for the river, ils trouvent ça. Les temps, ils gagnent net là-haut, dans le descendant qu'ils trouvaient. C'est la source. Ils trouvent la rivière là, quand ils commencent là-haut, ils descendent, l'autre tributaire vient, ils descendent, ils descendent, ils descendent de la mer, mais s'ils bloquent la source là-haut, qui arrive là, tout bloqué. Mais nous prenons la source là-même. Nous prenons la source là-même. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas venu à nous, dit nous comme ça, avec ça qui fait une crée Iblis. Je dis Allah. Allah crée Iblis? Oui, Allah crée Iblis. Qu'est-ce que le problème là? Qui Allah pas crée? Qui devait redire nous pas Allah crée Iblis? Mais Allah qui crée Iblis. Mais Allah crée le mal, Allah crée Iblis. Mais qui fait Allah qui veut créer Iblis? Premier, comment nous dire, Allah sur action nous pas pose question. Mais seulement nous sommes répondre. Oui, nous essayons de répondre à des gens qui sont disant, on vient de mettre deux dans la tête là. Chers frères et sœurs, quand nous étions là? Dans la nuit. Mais seulement quelques heures de cela que nous étions. Dans les jours. Chers frères et sœurs, la lumière partout. Si nous teignons, nous étions. Chers frères et sœurs, les temps nous guettent parmi les créatures, et non, les prophètes. Parmi les créatures, insan, et non, nous prenons les prophètes, Moussa alayhi salam. Vis-à-vis, on dit que c'est un pharaon. Qui nous peut trouver là? Et non, les contrées, ça qu'est-ce que nous, non?
dans la création, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait en sorte qu'il y amène une création, il y amène ça, se opposer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fin amène Jibril alayhi salam, se opposer que ça n'est plus jamais testé. Ça, c'est une des bonnes raisons. Pour nous trouver, Allah subhanahu wa ta'ala, de toutes ces créatures, chers frères et sœurs, il amène opposé. La nuit, des jours. La lumière, clarté. Il y a les mêmes comme ça. Il y a les mêmes comme ça. Ensuite, il y a au vinlo, Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala, finamène, Iblis. Nous continuons, chers frères et sœurs, nous dire, quand quelqu'un pose sa question là, nous dit comme ça, mais Iblis incite un djimoun pour faire PC. Comment nous pouvons différencier entre sa djimoun qui ne résistait pas à faire péché avec sa djimoun qui ne fait péché là? Comment nous pouvons différencier entre Dieu si Péna est une créature comme Iblis? Tous les deux peuvent faire péché. Oui, non. Mettre des djimoun là, tire Iblis. Iblis n'a pas qu'à accoster aux Dieu. Est-ce que ça de là pour faire péché? Avec bien Iblis. Entre ça de là, elle n'a dit comme ça, moi, je peux tenir mon nafs, moi. Mais comment je peux connaître vraiment ton cartini ton nafs, toi? Parce qu'il n'y a personne qui a testé toi. Il n'y a personne qui est capable de tester toi. Comment tu es capable de dire, comment je peux certifier vraiment tu es capable de tenir ton nafs, toi? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala qui fait? Il fait une créature qui appelle Iblis, il teste Jimouna. Ça qui glisse, il comprend qu'il arrive là, ça qui connaît bien tenir son nafs. Il connaît qu'il est bien. Qu'il est bien fait. Donc, un de bonne sagesse qui Allah subhanahu wa ta'ala fin crée Iblis, chers frères et sœurs, c'est pas la cause, li Iblis. C'est pas la cause, li Iblis. Mais seulement la cause, une autre raison, oui non. La cause, une autre raison. Un de bonne raison, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala fin crée li pour tester, bonne croyant. Et parmi bonne raison, troisième, chers frères et sœurs, à travers Iblis, vous connaissez, vous trouvez un signal là. À travers Iblis. Oui. Qu'il y soit à travers Allah subhanahu wa ta'ala, le miracle qu'il fait sur le prophète faire, ou bien la punition Allah. Vous les comprenez? Nous prenons-les. L'autre, alayhi salam, c'est un prophète. Ce peuple, s'il fait un de plus grands péchés qui est dans la terre, ça qu'il appelle l'homosexualité. Mais qui s'en a qui fait les autres faire ça là? Iblis. Conséquence des autres désobéissances, Allah subhanahu wa ta'ala élève la terre. Chers frères et sœurs, les temps de désobéissance là, punition là, vini. Nous ne trouvons capacité là qu'il est capable de faire. Il est capable de lever en la terre, faire lui arrive jusqu'à telle échelle, ensuite lui, il renverse lui. Nous prenons des jeunes. Pharaon. Pharaon, avec toute cette désobéissance qui est là. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala ouvert la mer en 12 bouts devant lui. Nous pouvons réaliser nos capacités. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Sans limite aucune séparation, on ne trouve pas la meilleure la vie. 6 mai, pas 6 mai, 12 6 mai. Les vins 12 6 mai. Nous disons bien 12 6 mai et non pas un seul chemin. Oui, les vins 12 chemins. Est-ce qu'il nous peut trouver capacité Allah là-dedans? Dans combien, chers frères et sœurs, ban désobéissance qui ne passait l'eau la terre, quand Allah subhanahu wa ta'ala descend sa punition, on ne trouve capacité Allah, c'est quoi? Combien il y en a comme ça? Donc, le temps nous guette la création Iblis. Est-ce qu'il la cause Iblis lui-même? Ou bien à travers Iblis, pour ban désobéissance qui est dans Jimoun Infir? Nous ne trouvons quoi? Nous ne trouvons capacité Allah, chers frères. Nous ne trouvons capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de là, comment nous finir dire, quand nous reguette la question, parmi ban sagesse qui Allah subhanahu wa ta'ala fin crée Iblis. Parce qu'il y a quelqu'un capable de venir, soit disant, mettre un doute dans nous la tête. Mais si Allah va te créer Iblis, mais va-tu pour un péché? Mais. C'est toi qui veux dire ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin crée Iblis, il y a une sagesse de Yéla. Un, pour lui montrer nous qu'il a créé toute chose pour l'opposer. Deuxième, c'est pour lui tester, ben croyant. Il était vraiment qui s'en a qui sincère là. Malgré qu'il y ait des inconnus. Troisième, chers frères et sœurs, c'est à travers ben péché, quand punition descend, nous trouvons capacité. Allah subhanahu wa ta'ala, oui, non. Nous trouvons capacité Allah. Donc, quand nous pouvons dire création Iblis, qui s'en a fait où l'écrit Iblis? C'est toi ou Allah. Dans laquelle vouloir les trouver? Chalria ou bien premier là? Il trouve dans premier là, chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est concernant la création. Allah fait nous une chose. Même n'est pas content. Même n'est pas content parce qu'à travers sa création là, à travers Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala pévise, ban les autres
quelque chose, bonne sagesse, comment nous dire pour Allah, ce qui nous appelle bonne hikma, bonne sagesse, pli devant. Parmi les questions qui viennent, chers frères et sœurs, c'est khalq al-masa'ib. Khalq veut dire création. Al-masa'ib veut dire problème, difficulté. Puis qui fait Allah nous créer difficulté? Premier, nous d'accord, Allah qui nous crée difficulté, oui non. Problème, Allah qui nous crée, oui non. Malade, tout le monde qui travaille à quatre soit là, Allah qui nous crée, oui non. Mais Allah, qui fait nous créer ça? L'in ou les créer, oui non. L'in ou les créer, à chaque fois nous réduisons, nous n'avons pas gagné droit pour ce question, ou Allah qui fait nous faire ça. Mais seulement pour nous pas gagner doute, depuis bonne question, depuis bonne les autres, ou bien nous assoit ça depuis chez 30, nous essayons de guetter de sa façon là, chers frères et sœurs, ou Allah, tu fin créer ça qui nous appelle problème, ça qui nous appelle difficulté. Chers frères et sœurs, papa hasard. Papa hasard. Premier, nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al Baqara, ayat 155-156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous pour tester zut. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Pour ban kitcho depuis la frayeur. وَالْجُوعِ la famine. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Pour diminuer zut kas. وَالْأَنْفُسِ. Pour ban nafs. Je veux dire pour ban dimoun mo pour misut. وَالثَّمَرَاتِ ou bien zut récolte. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Donne la bonne nouvelle. Ban qui n'a pas chance. Tout ça là c'est ban difficulté oui non. C'est ban difficulté oui non. C'est pas une difficulté, chef. Allah subhanahu wa ta'ala j'ai nous pour tester les autres pour ça. Qui ban ça wa bashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba ban kuman musibat zunzat qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zodje nous appartenir à Allah et vers Allah notre retour. Entre parenthèses. Nous dit bien entre parenthèses. Chef et sœur, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Beaucoup de monde prend ça pour doua. Maïgat. Beaucoup de monde pensent à Boudoua Mayet. Comment ils trouvent Mayet? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zamiti de wa Mayet, hein? C'est de wa problème. Veut dire comment vous gagnez un problème. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ou casse piadi. En qui can il mot. Ou tombe malade. N'importe quelle difficulté qui vous tombe. Qui vous a dit? Inna lillahi. Qu'est-ce qu'Allah dit? Alladhina idha asabatuhum musiba. Ban ki kouma zot gagne difficulté. Allah va dire qu'il y a une famine pour vous. Il va dire la moindre difficulté qui m'a gagné, qui m'a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, sa bonne difficulté, qui question là, fin vini, qui fait Allah fin créer difficulté, fin créer tracas, fin créer problème, fin créer ban les autres choses, etc. Qu'est-ce qui fait Allah fin amène ça? Il dit Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Sa bonne là, qui ban? Ban qui a difficulté aux autres, problème aux autres, moussibat aux autres, avant aux autres galoupes à droite à gauche. Qu'ils ont dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si ils ont dit ça, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, ban là, mon bénédiction et mon pitié aux autres. Mais comment moi tu veux gagner bénédiction, Allah? Comment moi tu veux gagner pitié, Allah, si Allah va te créer problème? Comment tu veux gagner, chers frères? Comment moi tu veux gagner? Qu'on appelle bénédiction Allah. Veut dire dans mon pays, il y a quelque chose là. Allah pour remplacer par 10 fois plus que ça qui mon pays dit là, oui non. Ça qui appelle bénédiction. Veut dire ça qui te guide pour paraître? Beaucoup. Et pitié Allah. Allah gagne pitié pour moi. Comment tu veux gagner ça, chers frères et sœurs, si pas tu as un problème, pas tu as une difficulté, pas tu as un tracas? Faut-tu gagner ça dans quelque chose là? Mais le temps nous guetter. Allah, il crée problème. La cause problème ou bien la cause d'un autre quelque chose? La cause d'un autre quelque chose qui a un crée problème, chers frères. Pareil comme quand il crée Iblis. L'incréblis, la cause d'Iblis ou bien la cause d'un autre quelque chose? La cause d'un autre, un autre quelque chose. Nous contient, chers frères et sœurs, quand nous guettons, hadith, Aïcha radiallahu anha, quand Rasoul, il dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, finji, avait dit, il fait une tâche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, ma min shay'in yusuibu al-mu'min hatta shawkati tusuibu, illa kataballahu ta'ala lahu biha hasana, wa maha anhu biha khati'a. Aïcha radiallahu anha dit, Mofintan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Pena aucun croyant qui aime piquant, pique lui, excepté qu'Allah écrit une bonne action pour lui et enlève un péché pour lui. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Un piquant. Vous connaissez qu'il y a un piquant? On a une raquette là, ça t'y piquant là, quand il pique avec vous là. Sa fraction seconde qu'il pique avec vous, vous là, mais là. Vous connaissez un péché, il n'a allé au compte, une bonne action est venue là.
Et puis comme ça. Et dans l'autre hadith encore, mais c'est moi qui nous amène une seule, parce qu'il y a plusieurs hadiths, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est quand même la fatigue. Quand un djimouni fatigué travaille dans halal, c'est quand même la fatigue. Quand il fatigué travaille, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne souvent le péché pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala récompense pour ça. C'est quand même tracas, ça tracas qui est un croyant gagné là, sur la tête pas en place, il reste. Allah subhanahu wa ta'ala efface souvent le péché, Allah subhanahu wa ta'ala écrit une bonne action. Chers frères et sœurs, mais combien nous gagnons comme ça à travers nos bons problèmes, à travers nos bonnes difficultés? Combien de bonnes actions nous pouvons gagner? Combien de péchés peut aller à travers difficultés, à travers problèmes, à travers tracas? Mais Allah crée tracas, problèmes, difficultés. La cause autre ou bien la cause du pied, augmente nos bonnes actions? Nous finissons la réponse. Donc, le temps nous guetter, Allah finit ou les créer ça ou non? Oui, il finit ou les créer. Mais seulement qui fait? Qui fait? Mais là, il nous l'est une autre façon pour lui pardonner nous. Et d'une autre façon pour lui augmenter nos bonnes actions. Et pareil comme ça, même chers frères et sœurs, vous devinez pour lui qui est là content? Oui. Et dans le hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ida ahabba Allahu qawmin ibtalahu. Quand Allah compte un peuple, un djimoun, Allah teste lui. Tesla comment vini ça? Assisé de la calle au chauffeur, il m'y a con. Tesla comment vini ça? Quand il arrive un moment que toi dirais, papa, trouve aucun si mes outils là, on l'a commencé à couler. Connais Allah compte en haut là. Connais Allah compte en haut. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ban qui gagne plus grand test, c'est ban prophète. Ensuite, vient une bande qui a pris. Ensuite, vient une bande qui a pris. Ensuite. Veut dire qu'on dit moun dans difficulté, chers frères et sœurs, quand il y en a iman, il connaît sa difficulté là, c'est ainsi qu'Allah compte en lui. C'est ainsi ça. Donc, comment on peut trouver la vie aisée? Vous avez posé une question seulement. Comme on trouve moi pas malade, je trouve moi pas aucune difficulté, je trouve moi pas aucun tracas, pas aucun problème, pas non, il peut fatiguer moi. Mais, problème, il y a un problème là, oui, non? Il y a un problème, chers frères. Parce que quand Allah content un djimoun qui le fait, il teste lui. Il teste lui. Donc, difficulté, problème, tracas, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ou non? Il crée. Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait exister ou non? Allah voulait exister. Dans la création, oui. Qui fait? La cause lui ou bien la cause en sagesse plus devant? La cause en sagesse, en hikmah plus devant. Donc, chers frères et sœurs, le temps nous guette notre troisième question. C'est quoi? Qui fait Allah fin créer problème? Qui fait Allah fin créer difficulté? Qui fait l'in ou les ça? Qui fait l'in ou les ça? Ben, l'État nous regrette nous une réponse. Excepté qui parle d'Allah, nous vous trouvons une tranquillité là-dedans. En, pour nous gagner, bénédiction depuis Allah. Exo pitié. Deuxième, hadith Aïcha radiallahu anha qui trouve dans Sahih Muslim, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, paix n'a aucune difficulté qui touche nous, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour enlève péché depuis nos comptes et pour remplacer par une bonne action. Pas fait un seul, hein? Il pas si tu as péché, lui. Il tient péché, ensuite il remplace par bonne action. Qui n'arrive ça, dit mon là? Il dans difficulté. Il dans difficulté. Le souban compte qui peut arriver. Bon, mauvaise action peut enlever, bonne action peut remplacer. Ensuite, troisième, chef frères et sœurs, nous pas mettre des nazis, trois, hein? Nous n'amènons trois partout, mais sinon il y en a beaucoup plus que ça. Mais troisième, chef frères et sœurs, divine parmi ban qui Allah subhanahu wa ta'ala, content. Donc, l'État nous regrette, nous repose question. Mais Allah crée difficulté, problème. Et il y a une raison de yala, oui, non? Et il y a une raison de yala. C'est Allah même qui finit ouler ça? Oui, lui-même qui finit ouler ça. Mais dans laquelle vouloir y était? Premier, al-irada al-kawniya. De la création complètement, al-irad al-shara'iyya, de ce din. Deuxième, là, chers frères et sœurs, c'est concernant ce qui est attaché avec din, en deux, pour en l'amour, satisfaction, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, difficulté, il trouve dans premier là. Nous continuons, chers frères et sœurs. Dernière question qu'il y a avec nous aujourd'hui, pour nous terminer. Al-hikma min khalq al-marasi. Pas un pays où, hein? Pas vous dire payer pour relier. J'avais pas qu'à dire ça. Pas qu'à dire. Nous faisons alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala fin dire Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Allah crée avec tout ça que vous faites. C'est lui qui crée. En deux mots, une désobéissance. C'est ça qui crée. Allah fin crée. Je ne veux pas dire ça d'où. Mais qui m'a dit? Si pas Allah qui crée ça, c'est ça qui crée ça. Si pas Allah qui crée ça. Par les chiens, on fait ou soit ça.
Parce que le quatrième pilier destin, la création, apporte à Allah tout ce qui existait à l'incré, oui non. Ce qui existait à l'incré. Puis non, il y a donc. Mais seulement ce qui nous bizarre comprend qui fait Allah fin créer. Nous pas de getli, mais Allah crée ça, Allah crée ça, tu restes en place, Allah crée ça, Allah crée ça. Allah crée ça, il crée ça qui appelle désobéissance, parce que, chers frères et sœurs, de Surat al-Baqarah, ayat 220, Allah subhanahu wa ta'ala, juste la fin là qui est avec nous, Allah dit, Inna Allah yuhibbu tawabin. Allah content, ban qui? Repentir. Mais si tu as péché, comment tu peux repentir alors? À travers sa repentance, dis-moi qui gagne. Il gagne l'amour Allah. Guide la création péché, c'est quoi, cher frère? Allah subhanahu wa ta'ala crée ça. Pas la cause de désobéissance là. Non, 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 non. C'est quand il arrive à commettre ça erreur là, quand tu lèves la main, tu peux dire Allah pardon. Là, Allah compte toi plus. Là, Allah compte toi. Chef frère, vous pouvez comprendre qui m'a fait gagner là? M'a fait gagner l'amour Allah. L'amour Allah, Allah compte en moi. Qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah yuhibbu, Allah content. Oh Allah, qu'est-ce que tu es content? Yuhibbu tawabin. At-tawab, c'est un quelqu'un qui repentir. Mais qui c'est un qui repentir? Un quelqu'un qui fait juste faire bonne action? Chers frères et sœurs, c'est un quelqu'un qui fait bonne action, mais seulement il reconnaît un manquement de ce bonne action. Qui c'est un qui repentir? Un quelqu'un qui fait une bonne action et il reconnaît un manquement de sa bonne action. C'est pour ça qu'on nous finit faire salam dans la masse qui nous dit Astaghfirullah. Pourquoi vous faites finir faire bonne action ou j'ai dit Astaghfirullah? Oui, qui fait? Parce qu'il y a un manquement de sa namaz, oui non. Il y a un manquement de sa namaz, chef. C'est pour ça qu'il s'est vini. Ensuite, qui vini? Allahumma antas salam. Et ça, quand. Pour les sons, Asma al-Husna nous fait dire, Alhamdulillah, mais c'est pour ban qui est parti là. Au fait, qui c'est quoi Allahumma anta salam? As-salam, ce n'est pas veut dire la paix. Malheureusement, ou quand vous trouvez le livre de wa, vous trouvez, oh Allah, c'est toi la paix. As-salam, ce n'est pas la paix. Par le masjid, c'est pas. Non, 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 nous ne pouvons pas causer. Nous pouvons causer as-salam en tant qu'il y a non Allah. As-salam, chers frères et sœurs, les dérivés du mot salama veut dire les loin avec, les être protégé. Salama qui veut dire Allah lui être protégé de tout ban manquement. De tout ban manquement. Regarde bien comment il est venu. Allahumma anta salam wa minka salam. Oh Allah, t'es loin de tout ban manquement toi. T'es loin de tout ban manquement. Qui fait mon peu besoin de dire ça ici? Parce qu'il m'a fait. Sorry, nous pouvons rire ça là. Hein? Pas vous, il n'a pas du tout là. Hein? Chef frère, et ton nous regarde, il veut dire moi, mon fait soit là. Moi, mon fait namaz. Dans mon amas, je me fais errer. Mon esprit me voyage. L'état me fait salam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wallah, pardonne-moi. L'occupe, mon petit man, pardon là. L'autre, c'est errer là. Connais-tu mon petit man, pardon? Allahumma anta salam. Parce que c'est toi qui viens à manquement, Wallah. Moi, je suis à moi, mon esprit me voyage. Moi, je suis à défaut, mon esprit me voyage. Mais c'est toi qui pena? Donc, qui pena? Errer, manquement, les bouvines depuis Insana, oui non? Les bouvines depuis Insana. Le fait qu'Insana est arrivé à commettre un erreur, ce qui nous appelle péché, l'état de repentir à ce dire. L'état de repentir. Allah subhanahu wa ta'ala compte en lui. Allah subhanahu wa ta'ala compte en lui. Mais qui ne fait pas Allah compte en lui là? Pas lui faire péché là. Attention. Attention. Un qui pense penser, mais quand on fait péché, Allah n'est pas content de faire péché. Il est content quand on fait péché et tout. Repentir. Fais bien attention là. T'as choisi quelqu'un qui dit non, Allah pour qu'on t'a comme obligé de demander pardon. Pas quand tu peux demander pardon, mais quand tu peux demander pardon. Ça qui est Allah content. Donc quand tu peux faire péché, Allah content. Quand tu fais l'intention pour demander pardon, Allah content. Quand tu demandes pardon, là qui est Allah subhanahu wa ta'ala content. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, chers frères et sœurs, lui dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui plie content son serviteur quand il demande pardon, qui sa dimoun qui ne peut dire ce samo avec ce provision le désir. Imaginez-nous un dimoun qui allait le désir avec ce samo, il descend, il repose là, il est élevé, il trouve samo là et se mange brodo là. Il est au désir là, s'il vous plaît. Il irait dormir. Or, attendre, il irait gagner un sommeil. Un coup de ce sommeil cassé, il trouve ce samo devant lui.
contentement dans lui, ça dit Mouna dit Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Contentement dans lui, ça dit Mouna dit oh Allah, te mo servite, moi qui te rob. T'as bien que ça dit Mouna dit là. Kouf pas kouf. Kouf, lui dit Allah servite. Et lui, il rob. Mais seulement, qui ne pousse lui pour lui dire ça? Sa excitation, sa l'émotion qui appelle contentement qui est là dans lui. Quand il retrouve sur sa mot devant lui, fait lui dire parole qu'il n'a pas besoin de dire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai nous chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala plus content que ça dit mon nom quand il trouve sur sa mot. Mais qui a été Allah content alors? Qui a été Allah content? Quand Allah content, il est content quoi là? Il est content dit mon nom désobéir à lui? Pas ça qui a l'air content. Allah est content quand il dit qu'il y a une désobéissance. Ensuite, il demande pardon. Mais comment il dit qu'il y a un amour? Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, si ça ne rebelle pas, tu crées péché. Quand tu veux un amour là? Donc, il crée péché là, la cause péché là même, ou bien pour qu'il dit qu'il y a un repentir, il gagne l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous finissons la réponse, chers frères et sœurs, nous continuons. Si quelqu'un dit nous concernant péché, nous disons comme ça, à travers péché, nous connaissons bonté Allah. Chers frères et sœurs, prenez bien, chacun parmi nous. Si chaque péché qui nous fait, Allah met un tasse noir, nous figure. Nous trouvons qu'on sur la terre. Non. Nous tous dans le bateau là. Tu as trouvé ça qui peut déboutant qui est trop spécial là. Nous tous pareils là, tous enfants Adam pareils. Excepté pour ta croix. Chers frères et sœurs, c'est ça le péché qui nous fait. Ça robe là, mais une tasse noire, nous figure. Comment Michel met par là? Dit comme ça, oui, non. Mais seulement, est-ce que ça robe là, fait ça ou non? Jamais, chers frères. Jamais. Qui attend? Il attend quand? Quand nous demandons pardon. Mais qui a été bon, bon ça? Moi, un erreur qu'un dimon fait au moins. Premier erreur qu'il fait au moins. L'autre coup de tomate, moi, gare à toi. Et la première fois, là. Première fois. Mon fini warning, l'autre coup. Gare à toi, l'autre côté là pas encore venu. Bon, si je trouve que tu es moi capable. Mais on jamais l'autre côté pas encore arrivé. Non, avant l'autre côté là arrivé, moi tu comptes toi aller la fin du mois. Imagine-nous si ça péché qui nous fait, Allah enlève une faveur de sa ligne de nous. Chers frères, comment nous pouvons aider? Mais seulement à travers péché, nous pouvons reconnaître bonté Allah envers nous, oui non. Est-ce que ça donne la vraie même une trappe nous pour péché qui nous fait, chers frères? Il ne faut pas trappe, non. Il n'y a pas encore ça. Il y a encore peu de nous à l'occasion pour nous repentir là, oui, non. Mais qu'est-ce que c'est robe ça? Qui a été bon? Qui a été bon ça robe là? Donc, le temps nous guette péché, péché, péché. Il y a un péché, oui, non. Mais seulement à travers péché, nous restons reconnaître bonté à Allah, oui, non. Et pareil comme ça, même chers frères et sœurs, hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître concernant ses serviteurs qui jour qu'Iyama quand il présente devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala djali, faral ta. T'as fini de faire ça. Abdi, homo serviteur, t'as fini de faire ça. 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 Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, ce qu'a dit mon âme, c'est l'infini. Ou le tribunal Allah là. Il n'a aucun sens là. Mais tout ce péché devant lui, dit mon âme, c'est l'infini. Dès là, Allah subhanahu wa ta'ala dit à lui, Satan, tu as l'air qui a fait dunya. Mon caché de salaud, tu as de dunya. Personne ne va te connaître de faire ça. Et, Azo dit ici, mon caché de toi. Allez. Chers frères, essayez de comprendre qu'il y a la paix de Dieu à ce moment-là. Et sans aucun doute, nous disons Allah doit faire nous une promesse. Ça. Vous connaissez qui peut dire là? Allah dit à lui comme ça, mon cachet-toi le dunya. Personne ne va te connaître de faire ça. Azodi, quand je suis capable de dévoiler, toi, pas devant tes citoyens, pas devant ta population, devant tout le monde qui finit d'exister, je suis capable de dévoiler. Mais Allah dit, mais mon cachet-toi le dunya. Allez, mon compte, cachet-toi. En deux, mon cher frère et soeur, être sûr et n'a péché. Dis-nous avec Allah qu'on est nous faire. Zami Allah pour dévoiler ça. Qui a été sa robe là contre nous, alors? Qui a été sa robe là contre nous? Zou, quand tu es capable, tu es tout là. Et quand tu caches nous, oui, non. À travers qui était nous peut reconnaître bonté Allah, cher frère? À travers péché. Ou voilà, je dis, à travers péché, je reconnaître bonté Allah. Oui, écoute ça. Mais pourtant, à travers péché, cher frère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, pas créé péché là, la cause péché, lui. Mais l'incrée péché, la cause à travers péché, et n'abandonne les autres petites choses qui dit mon a découvert, oui non. Pareil comme ça, même chers frères et sœurs, quand nous guettons, nous trouvons, nous connaissons nos vérités, nos faiblesses.
Ça qui appelle un enfant Adam. Ça qui appelle un enfant Adam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit tous enfants Adam pour faire errer. Chers frères, c'est ça qui vous appelle. C'est ça qui vous appelle. Donc si moi je peux faire errer, Lili peut faire errer, qui fait soi là? La cause d'enfant Adam, oui non. Donc pour, est-ce qu'il faut un homme plus meilleur qui a un autre l'offre faire pécher, pas faire pécher? Pays n'a, chers frères. Pays n'a pas existé. Nous reconnaître, nous faire, oui non. En d'autres mots, à travers péché, nous humilier nous devant Allah, oui non. À travers péché, nous sentons-nous égal avec les autres, oui non. À travers ta croix, ça nous capable de différencier nous, et ça, c'est Allah qui nous connaît. Mais seulement, quand nous sommes nous en face, nous tout faire péché, oui non. Veut dire nous égal devant Allah, oui non, concernant péché. Parce qu'en tant qu'enfant Adam, tout nous a fait péché, oui non. Tout nous a fait péché, j'ai fait. Tout nous a fait péché. Nous reconnaître nos faiblesses, oui non. Nous reconnaître nos enfants Adam, nous pas pour capable d'atteindre la perfection. Et en dernier, chers frères et sœurs, c'est pour compléter Al-Roboudiya. Roboudiya. Dérivé du mot Rabd. Rabd qui veut dire serviteur. Roboudiya veut dire Allah subhanahu wa ta'ala reconnaître. Ça, c'est vous serviteur, ça. Qui nous peut dire pour ça? Chers frères et sœurs, quand un dimoun fait un péché, avec ça, il peut aller. Il y a une différence qui est entre un celui qui est un iman. Avec un ça qui nous appelle un chrétien. L'infer un péché les chrétiens là. Zodi Zedi. Samedi soir il dresse ce costume bien. Ça tu m'y mis. 8h30 point de bain. Descends cathédrale. Oui mon frère ça mon frère. Oui va brûler encore. Il y a le raconteur qui s'en a. Dis-moi quoi lui-même. Il y a le raconteur qui s'en a. Oh dis-moi comment lui-même. Mais seulement que nous nous disons que nous faisons un péché. God dit pour toi. Mais qui m'a besoin de faire? Lève-toi la main doucement avec Allah, te toucher. Pleurer avec lui, dis-moi, pardon. Pas l'espèce, personne ne connaît tout. Parce qu'il a ton retour en tant qu'un serviteur, tu as besoin de ton créateur, tu as besoin de ton maître, oui non. Mais qui t'a besoin d'être une sainte pareille comme toi? Donc, dans qui étape ça, dis-moi, la vie? Il retourne de sa qualité qui est un serviteur, il a besoin d'Allah, là, oui non. Mazine qui, une dernière phrase qui nous dit avant de nous faire salam dans Namaz. Qui dernière phrase nous dit Wala yafiru zunuba illa anta. Comprends bien qu'il y a l'indiamant là-dedans. Comprends bien qu'il m'a dit tous les jours Wala yafiru zunuba illa anta. Peine à personne qui pardonne péché, excepté toi. Tout dit monde capable de compter en moi, cher frère. Pas veut dire qu'il y a l'indiamant pardonne moi. Mais ça vient de la tête. Parce qu'il pardonne Allah pas ta sort dit monde ça. Si lui voulait pardonner, il a pardonné. Tout le monde qui n'a pas compte en moi, Allah a pardonné moi malgré ça, oui non. L'exemple, cher frère. L'exemple, sa prostituée là. Il passe côté un puits, il descend, il prend de l'eau, il donne un chien. Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec lui. Allah a pardonné pour mettre dans le jannah. Comme on a habitué, c'est dit comme l'exemple. Imaginez-nous, Zodi, Zedi, ou de travail, ou t'en dis à madame Lenbo. Ça n'a pas mis nous pour une offre à son maillette là. Vous pouvez gagner parce que sur la vie comment était. Pourtant, il y a un habitant de Jannat, oui non. Il n'y a pas de Allah, oui non. Pourtant, Dimoun périsse loin en lui, oui non. Périsse loin en lui, cher frère. Dimoun périsse loin en lui. Mais seulement par dire qu'il va gagner pas de Allah. Donc, l'État nous retourne l'eau à l'Obodiya à travers péché. Quand ça dit, il est arrivé, il commet un péché. En dans lui, il connaît. Puis, il n'y a personne capable de pardonner moi. Excepté. Excepté Allah, il retourne vers son Créateur, il retourne vers celui qui peut pardonner. Et dernier hadith, chers frères et sœurs, c'est hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Quand un dimoun fait un péché, il lève sur la main, il demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Allah subhanahu wa ta'ala appelle les habitants de l'échelle. Il dit Jésus, get moi serviteur. Get moi serviteur. Pas get sa péché là, mais get moi serviteur. Il fait péché et il connaît une robe qui pardonne. Il veut demander moi pardon. Fais-le connaître mon pardon. Qu'est-ce que ça a l'oubli comment aller? Qu'est-ce que ça a l'oubli comment aller? Donc, chers frères, c'est juste dans ce hadith là. Nous avons ce qu'on appelle péché. Vouloir. Allah vient créer, oui non. Mais seulement pardon là. Un autre vouloir, ça oui non. Il trouve la deuxième catégorie là. C'est qu'Allah avec son amour, Allah avec son satisfaction, il dit qu'est-ce que vous servitez? Il fait un péché. Il connaît une robe qui pardonne. Lui peut demander pardon. Fait-il connaître qui?
qui m'a pardonné. Quand est-ce qu'il y a un dimoun pour qu'on sache, chers frères et sœurs? Quand un dimoun pour repentir, pour lever sur la main, pour pleurer avec Allah, attention, les mots, ça va empêcher la loi sur compte. Quand ça dit mon a reconnu qu'il y a un rob qui pardonne. Mais quand ça dit mon a fin arrive à ce niveau-là, c'est ça même qu'on appelle al-Rouboudiya, l'in reconnaître qu'il y a un rabd, l'in serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, c'est ça qui est le nous. Pour aujourd'hui, et Inch'Allah, l'autre semaine, nous vous continuons encore le bonne question pareille. Et rappelle toujours, l'autre semaine, nous vous continuons dans vendredi, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajmarin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.